Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous souhaite un joyeux Noël. Et aujourd'hui nous avons trois invités pour la remise des cadeaux. Et en fin de vidéo je vous montrerai les autres cadeaux que j'ai reçus. Bonjour Mickey, comment vas-tu? Ça va, et vous? Très bien. Alors aujourd'hui je vais t'offrir tes cadeaux de Noël et tu vas m'offrir les tiens. Tu es prêt? Oui. Voici vos cadeaux. Tu veux que je te les ouvre? Est-ce que le sac est offert? Le sac est offert. Magnifique. Oui. J'aurais fait mes courses avec. Très bien. En plus, il est plus grand que toi en plus, donc c'est cool. Déjà, il y a un cadeau qui est apparent. Je te le montre. Celui-là, j'ai pas pu l'emballer. Oh, c'est un set de table. Un set de table. Tu l'aimes bien? Il est magnifique. Alors, pour débuter, une carte. J'ai oublié de marquer le nom, mais j'ai mis ça pour qu'on. Il y a ma photo, ça suffit. Il y a ta photo. Bah, je te l'ouvre. Ouvre-le-moi. Et c'est. Oh, un petit poivre avec un bonnet de Noël. Non, avec ta sauce spéciale, je vais chez Mickey bonne année. T'as un bon d'invitation le 25 janvier pour la sortie de Resident Evil 2. Et j'ai fait un petit dessin de toi et moi. On va crier, hein. Et on va jouer à la console. On va hurler. Voilà. Ça a commencé ou pas le jeu? Non. Je voulais la version collector. Bon bah voilà, c'était ça. T'as eu un set de table et une invitation. Ah bah c'est déjà pas mal. Là, frigale. Je monte tous les cadeaux là. On va prendre un petit cadeau. Oh là là. Arrête-toi, c'est quoi? Allez, ouvre-le-moi s'il te plaît. C'est frustrant d'avoir des gants de Mickey pour pouvoir ouvrir les cadeaux. Oh, c'est un truc surprise. Qui ça va être? C'est un chouchou à toi. J'adore le roi lion, j'adore ce gars. Voilà. J'aime bien les méchants. Merci. J'embrasse le sac parce que c'est trop haut. Oh, il y a du beau papier. C'est le papier le cadeau? Oui. On va le déchirer pas s'il te plaît. Oh non, déchiré. C'est des clips sur fermer les sachets de nourriture de petits chiens saucisses. C'est des monsieur saucisses. Voilà, t'en as trois comme ça, trois paquets de chips. Hey, quand tu viens manger des chips, comme ça je te les resserre les mêmes la semaine d'après. Voilà. Trop bien. Oh, je suis gâtée. Un squishy peluche. On l'a vu en vidéo en plus sur ma chaîne. Ouais, j'ai le code foudre. Et ils sont très squishy, ces actions, ils coûtent pas une fortune, hein, c'est bien. Hein. Comment ça, ils coûtent pas une fortune? Bon, ils ont à moins de 5 euros, voilà. Ah, c'est très beau. Qu'est-ce que c'est d'après toi, ça? Des mi-cadeaux. Ça pourrait. Ça pourrait, c'est la forme de la boîte. En plus, la légèreté. Ah, c'est de la dalle. Ouvre. Et une petite trousse. Oh, mais à l'intérieur, t'as des petites choses. Parce que. Oh, mais c'est. Tu as un petit Mickey en ton effigie. Baseball un Tsum peu, baseball Japon. Trop et cool. Tu as ton pins que ah, tu as oublié bien. La dernière fois. Ah bah c'est bien de l'avoir mis. Et bah voilà, voilà, ça fait une boîte comme à ça, pins. Ça tu l'oublies pas. Ça c'était c'est pas acheté mais j'étais au magasin d'Harry Potter. Ah oui, moi je l'ai pas moi. Et t'as le plan de Paris du nouveau film avec tous les lieux en fait. C'est très beau. Et l'arrière, tu as. Regarde les anciens. Mais c'est très joli. Tu peux faire l'ancienne et tu peux encadrer. C'est très beau. Oui. C'est 1927 Paris. Ah bah faut pas l'abîmer. Hein. Voilà. Merci. Bah je suis bien gâtée. Hein. Un autre petit cadeau. Oh là là, mais ça, c'est sans fin. Moi j'en ai pas fait autant. Hein. Ouais, mais moi c'est des petits cadeaux. Pas des gros cadeaux. Une petite gogomme. Oh là là. Elle est grosse plutôt. Ah, ça c'est. C'est un film ça. C'est une saison complète. Ouah. Mais il est mignon ce petit costume. Alors pour te dire, c'est la saison 13. Trop bien. Voilà, comme ça si tu t'ennuies Mickey, tu regardes. Ah bah oui, le soir, en mangeant du popcorn. Ah là, c'est un énorme en cadeau. En plus, il y a marqué la mère de Cartman adore ce coffret. Okay. Si elle est là, mais... Alors là, deux cadeaux en un. Qu'est-ce que c'est? Star Wars et Last of Us, un porte-clé du jeu que t'aimes bien, et là des petits post-it. Tu vois, c'est très sympa. Tu peux t'en servir. Oh, c'est je joli. Je ne pourrais pas les utiliser. Dis donc, il est gâté. Hein. Ouais, et un dernier cadeau. Heureusement que c'est pas moi qui déballe, c'est sympa. Mince, elle prie. On va te mettre ce côté. J'avais oublié de retirer. Non, c'est... oui, j'ai oublié de retirer. J'espère qu'on aura autant de cadeaux. Non. Oh là là là. Vous avez moins, mais là, c'est le même tarif. Ah, il y a Miss Nets qui sont impatientes. Oui, eh ben, c'est bon. Bien gâtée. Je vais ouvrir tes cadeaux maintenant. Bah, moi, il n'y en a que trois. J'arrive pas.
ravie. Et la boîte est magnifique, Frosties. Elle est trop belle, tu m'as offert une smack. Et là, oui, il y a Frosties. Eh ben là, et tu savais que Frosties était mes Kellogg's préférés quand j'étais petit? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi Frosties. C'est vrai? Tu savais? Oh, c'est joli, t'as bien illustré. C'est pas que je m'aime bien, mais j'aime bien coller mes photos. Non. Mais ils sont fous de là ou quoi? C'est moi la vedette là. Oh là là. Il veut pas te piquer la vedette aussi? Oh, un portefeuille, j'en avais besoin en oui, plus. Non, c'est un porte-monnaie. Non, portefeuille. Marmonnaie. Les deux. Voilà. C'est un autographe, Mickey. Nya, tout à l'heure. Merci, Mickey. T'as mis le pas beau là. Hein. Oui, mais regarde en haut. Waouh, le beau Mickey. Ça compense. Vite, la voiture fait fume. Elle fume la voiture. Ah, oh punaise, une fashionista Barbie. Ça faisait longtemps que j'avais pas une Barbie. Mais alors celle-ci, elle a plein de tenues différentes. Elle en a deux supplémentaires. Mais elle est trop jolie, merci. Alors mettez en commentaire si vous voulez que je fasse une review de celle-là. Regardez, un beau plutôt. Tu les as achetées à Action, ça, non? Bah comment tu sais? Parce que j'étais avec toi. Ouais. Cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh, merci. C'est Ropi. Oh, Hello Kitty. Voilà, c'était la petite surprise. C'est pas la petite surprise. Il faut savoir que Keropi, c'est mon personnage préféré depuis 1994. Ah ouais, quand même, hein, ouais. Ça date. Je crois que c'est 94. T'étais né en 94. Regarde, c'est ça. Regarde, j'ai vomi du papier. Oh. Bravo. Très bien. Merci Mickey, tu m'as bien gâté. Bon bah c'est au tour des zouzous qui font le bazar là. Oui. Bon bah je vous laisse. Au revoir Mickey, rendez-vous l'année prochaine. Ah oui, gâtez-moi. Oui. Au revoir. Au revoir. Oui, vous avez droit à la boîte spéciale. Oh là là. Il y a un tas de rougeurs. Alors tu vas galérer pour le transporter. Bien, bah, tu vas me la mettre. Tu vas l'ouvrir. Et je crois que tu pourrais même pas la mettre dans ta maison. C'est trop beau. Ah, waouh. Bon, il n'y a pas énormément de cadeaux. Non mais la boîte elle est belle en tout cas. Alors déjà la lettre. Mais là je vous ai mis un plus tôt parce que je savais pas qui mettre. Il n'y avait pas ticket tac. Il n'y avait pas plus tard. Ah oui, c'est un beau jeu de mots. Ouais, c'est ça. Non, j'aime bien moi plus tôt, il est beau. Hein. Bon bah carte, hein, il n'y a pas de surprise. Ah bah tu me l'as fait. Chaque année vous avez un. La même, oui. C'est vrai. Et je t'ai fait un dessin de toi. Oh c'est trop beau. Je te souhaite un joyeux Noël et merveilleuse année 2019. Plein de bonheur et d'amour, Eric. Ah, mais c'est tout. Merci, bravo. Oh, moi aussi j'ai une carte. Il y a marqué Eric. Ah, mince, je suis bête. Toi aussi, tu as aussi cette carte. J'ai... Ah, ben non, elle est moche. Non, tu l'as pas celle-là. Ben j'en ai une carrée, mais pas celle-là. Il est beau ce grand sapin que tu nous fais chaque année. C'est mieux que ceux de dehors. Je vais nommer des huit des petits cadeaux, surtout du DBS. Gros bisous. Ah oui. Mmh. Ah, bah elle est belle. Hein. Groupe sapin DBS. Ah, ça aurait pu, mais non. C'est autre chose. Un cadeau. Attendra à un seul dedans. J'ai choisi. Bah, un des petits, le plus petit. Après, c'est les cadeaux bonus. Hein. Qu'est-ce que c'est? Une pousse de pétain. Ah, si j'aime bien. Et ça s'allume après. Bah après on verra pas, il y a trop de lumière. Tu mets sur la table pour le réveillon du Nouvel An. Moi tu t'emmènes. Oh là là. Ah c'est que la couture. Waouh. Un beau joueur sage. Oh là là, ça c'est trop beau. Donc ça c'est cadeau bonus. Ça ira bien dans ma salle à manger. Bravo. Oui. Ça c'est cadeau bonus. On va, comme ça, tu vas faire un opening, Miss Mia. Ouais, tu aimes l'opening. C'est au hasard, c'est une... Ah, j'ai oublié de retirer le prix. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est dans l'autre sens, tourne. Je suis désolée. Bah, pas, c'est vous qui avez. C'est beau, hein. Mais il est beau. Oh, il est beau le dessin. Quoi. Bah, il est mieux que certains. Hein. Ah, c'est beau, c'est trop beau. C'est trop beau. C'est clair. Ça, c'est encadré. C'est dommage que c'est Dragon Ball, mais c'est magnifique. Bah, je pense que quand j'achète pas, j'irai. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est? Non, ça, les Blu-ray, parce que vous aimez ça, Miss Nut, c'est film d'action. Oh là, ça déchire. Aïe, wow. Hey, t'es pas mal. Hein. Star Trek SG, hein, c'est ça? L'autre, il connaît rien. Oh non, oh non, faut pas. Voilà, et un cadeau bonus. Encore? Oh là là. Ah, je sais ce que c'est. Ah,
c'est mignon, c'est gentil de m'offrir ça. Dans ma vitrine Disney, je l'aime trop lui. J'aime de les... Donc wow, les mondes d'orage. J'adore ces cheveux. Voilà, t'as ton petit cadeau bonus. Oh bah merci. Ouh. Moi je vais te faire que ça. Waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Parce que t'adores ce film. Eh, j'espère que c'est pas Ant-Man. Mais si! Ah! C'est gentil! Mais qu'est-ce que t'as? T'as dit que tu l'adorais. Les tout neufs emballés, c'est pas d'occasion. Merci! J'adore le voir. Oui, il est bien. Tiens, il était offert. Viens, celui-là. Oui, c'est le premier. Ah, c'est bien. Ah non, c'est pas le deuxième. Si! Bah, t'as dit. Il a dit qu'il aimait, qu'on avait mis. Ah, nickel! Non, c'est à dire qu'on parle. Pas. Celui-là, t'as dit que t'aimais celui-là. Oh oui! Oh, un cadeau, c'est de fait. Oh, oh, Deadpool, alors là, je suis trop content. C'est un pas Ant-Man? C'est un must-have. Hein? Ant-Man, j'ai pas vu, je verrai. Ah, il est bien le premier. Bah, c'est bien. C'est des cadeaux bonus. Après, c'est des cadeaux, c'est des Marvel, ça. Regarde, 30 euros plus. Ah oui, t'as dépensé 60 euros. Punaise. Bravo. Encore un Blu-ray. Ça va être tort, mais je l'ai déjà tort. Ça pas tort. 45 euros. Ah oui, ah bah il faut du Dragon Ball. Dragon. Tu vas mettre ta dragon. Je l'ai pas lu en plus, oui, le quatrième, donc il est là. Oh, et le cinquième, oui. Ça, quand je t'ai acheté avec toi, j'étais un petit peu jaloux. Mais il était en vente après, oui, mais après voulais ça plus. M'a coupé la chic, j'ai plus envie. Les abonnés, hein, vous êtes fans de les Funko Pop. Et alors, Ultra Instinct. Je la déboxe. Allez, on la déboxe. Ah, on est fou. Hein. Comme ça. Oh, elle est faite comme moi. Magnifique. Et le dernier cadeau bonus. Oh bah dis donc. Parce que les Blu-ray c'était... voilà. Merci, encore une Funko Pop. Comment tu sais? Bah, exactement la même taille. Ah, donc tu sais ce que c'est, je parie. Ah, il vient. Il va crier. C'est pas bien russe, ce... Tu l'as déjà. Oh punaise, oh, punaise. Waouh, wow. Comment tu l'as eu? C'est une exclusivité. Bah oui, en plus, c'est pas cher lui. Parce que c'est cher les exclusivités. Mais si t'aimes bien Buru, je sais pas. Punaise. Mais c'est impossible. Je vais en Belgique. Ah, tu devrais être fier de moi. C'est pas possible. Mais c'est Buru exclusif, il coûte une fortune. Il est beau. Ah, c'est mon plus beau cadeau. Très beau, bravo hein. Oh mon bébé. Ah, il est trop beau, bah Miss Nuts, là t'as fait ma vie entière. Sa vie, il peut mourir. Alors, t'as passé du Ant-Man à du virus. Ah oui, ça vaut exprès. Le coup. Oh là là, je m'attendais pas du tout à ça. Allez, je m'en vais. Merci Miss Nuts, joyeux Noël. Oh, je suis gâtée. On a un invité spécial, il est jamais venu sur ma chaîne, il s'appelle Monsieur Lama Joyeux. Bonjour Lama Joyeux. Bonjour. Très mignon. Ah oui. Je vous ai acheté aussi un beau sac pour transporter vos cadeaux. Oh merci, c'est trop beau. Oh là là. Je t'ai mis Daisy. Oh. Tu aimes Daisy? C'est une blague, j'adore. Et je vais te montrer la carte. Oh. Petit pingouin. Oh, merci. Et le petit mot, bah tu liras. Tiens, tiens. Oh, merci. Je te l'ouvre. Ah oui. Ouh. Et Woody, mon Disney. Oh là là. C'est un porte-photo, tu peux faire un piercing. C'est trop mimi. Oh, ah oui. Il faut pas qu'il tombe. Voilà. Mignon. Ensuite. En fait, c'est moi qui ai le plaisir de voir les cadeaux. Que j'en bats. Pour un iPhone, et c'est une coque, c'est iPhone. Un iPhone. Non, c'est pas un iPhone. Mais c'est un iPhone, dis donc, t'es riche. Il y a les paillettes. Oh. C'est un iPhone, j'espère, petit lama. Ah. Non. Et un dernier. C'est vrai, ça, ça me suit. Bah non. C'est comme t'aimes bien Captain America, je t'ai vu regarder. Oh, je t'ai fait une tasse pour ça. Chez toi. Merci, pour boire ton chocolat trop. Chaud. Oh, j'aime trop, je vais mettre du pain chaud, chocolat chaud. Chaud. Oh, merci Lama, mais qu'est-ce que c'est? Ah, tu me. Belle boîte, hein. Harry Potter. Oh, waouh. Oui, c'est ça vient de là. Oh, c'est trop beau, rien que ça, j'adore. Ouvre. Qu'est-ce que c'est? C'est des chaussettes? Oui, c'est des chaussettes. Oh, c'est trop mimi!
la boîte est belle. Ils font des belles boîtes, je pourrais m'en resservir. Je peux mettre mes lunettes. Regardez. Des petites chaussettes avec Hermione, Ron et Harry, c'est trop cute. Ça me va. T'en vas te les mettre. Dommage qu'il n'y en a pas quatre. Ah, c'est, oh, c'est trop mignon. Oh. Merci madame Lama, ou monsieur Lama plutôt. Monsieur. Putain, une boîte trop jolie. Limited Edition. Voilà. Et là. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un vêtement. Oh, un pull de Potter. Oh, avec le vif d'or. Beau. Regarde, c'est un vif d'or. Gryffondor. Regardez là. On va faire des photos. Gryffondor. Trop beau. Oh, wow. Potter. Bah merci monsieur Lama. Je reprends les chaussettes hein, parce que je donne. Ah oui, ah, j'ai oublié que c'était cadeau. Bah merci. Et maintenant on se retrouve pour la suite. Oh, et je te fais un joyeux Noël. Oh, joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Je vais vous montrer les cadeaux de mes parents. Alors, je vais vous montrer les cadeaux que m'ont offert mes parents. Alors, pour commencer, une figurine Funko Pop de Pennywise, la numéro 475. Alors, il me semble qu'elle était déjà sortie il y a un moment en exclusif et elle ressort encore en exclusif, en spéciale édition. Alors, je pense que les couleurs ne sont pas les mêmes, il me semble. Alors, si vous avez l'édition plus ancienne, dites-le-moi en commentaire. Donc, c'est le Pennywise avec le ballon. Donc la voici, je la voulais tellement, mais elle coûtait une fortune à l'époque dans les boutiques, je m'en rappelle très très bien. Et celle-ci, 15,95€, donc ça va, c'est vraiment pas cher pour une exclusive. Alors, un autre cadeau Funko, il s'agit de Belle en édition Rock Candy du film Les Mondes de Ralph 2. Alors il y en a plein qui sont sortis en princesse, donc là il n'y a pas la liste, mais je crois qu'il y a Jasmine, Réponse, Vaiana, Mulan, et je vais en oublier d'autres. Il y a peut-être Blanche-Neige aussi. S'il y avait eu Tiana, je l'aurais prise aussi. Il n'y avait pas Tiana. Alors Belle est vraiment très bien faite. J'adore son visage. Elle lit un livre. Sa tenue confortable, avec un legging doré, mais vraiment très très beau, très brillant. Et ici, on a la tête de la bête avec écrit Best Friends Forever. Je trouve ça mignon ce jeu de mots. Ah, et son nœud à l'arrière est aussi doré, magnifique. Et ses petites chaussures. Alors ensuite, j'ai eu un petit bijou Pandora. Je vous montre, c'est lequel cette fois-ci. Alors, il s'agit de Figaro, dans Pinocchio, ou le chat de Mini. Et je le trouvais vraiment magnifique. Et ça complète ma collection Disney Pandora sur mon bracelet. J'en ai quelques-uns, je vous montrerai peut-être une vidéo spéciale un jour. Voilà, il est vraiment magnifique en tout cas. Alors moi je prends que les têtes en Pandora. Donc j'ai la tête de Mickey, la tête de Donald. Alors ensuite, encore dans le thème de Disney, La Belle et la Bête. Et il s'agit d'une figurine Banpresto avec Belle qui lit son livre. Bon, c'est un peu la même chose. Et celle-ci, j'avais vraiment hâte de l'avoir. J'avais vu en preview il y a un moment. On a beaucoup de détails. Regardez par exemple ici le livre. Enfin, je sais pas si ça prend. Voilà. Il y a le souci du détail, le socle aussi. Alors on met le panier ici. Voilà. Comme ça, il est coincé. Et pour le socle. Ah oui, on met ça. Waouh! Oh punaise, elle est trop belle. Regardez son visage. Alors, ils avaient fait Ariel dans cette collection, mais je l'aimais pas du tout, son expression. L'arrière, très détaillé. Le tablier, regardez, hop, il est pas collé. Le panier est très bien réalisé. Ouais, tout dans cette figurine est très réussi, je trouve. Allez, on termine par une dernière figurine, mais pas la moindre. Je suis super fan de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super. On m'a offert la Grandista Gohan de l'époque, celle le tournoi. Voilà, et il est livré avec la cape. On peut lui retirer et je crois qu'il a plusieurs visages. Ouais, il a deux têtes carrément.
Nous avons 4 bras. Alors j'aime beaucoup les grandes distors, mon rêve c'est de les avoir toutes. Mais bon, hein, pour un budget colossal. Donc voilà ce que ça donne, c'est vraiment super détaillé je trouve cette figurine. Je vous montre sa tête. Hop. Il est vraiment hyper réussi je trouve. Ce qui est vraiment génial c'est que vous pouvez retirer la cape et retirer la tête. Et les bras bien entendu. On va remplacer pour voir la différence. Et voilà ce que ça donne. Vous préférez quel visage? Moi je pense celui-là quand même, mais j'aime bien aussi avec la cape. Quelle est votre figurine préférée parmi les 4 ou est-ce que vous préférez le petit bijou Pandora? Moi si je devais choisir, ce serait assez difficile. Je dirais peut-être le bijou Pandora bien entendu. Et ensuite peut-être Belle que je trouve vraiment magnifique. N'hésitez pas à mettre en commentaire le cadeau que vous avez préféré. Je vous remercie énormément d'avoir regardé et je vous souhaite une très bonne année 2019. Salut! Alors, vidéo bonus, ça sera Mickey et Miss Nuts et Lama, ils vont s'offrir leurs cadeaux ensemble. J'ai voulu l'inclure dans cette vidéo. Alors moi, je vais aider, je vais ouvrir les cadeaux, je vais essayer d'ouvrir tous les cadeaux. Donc moi, je suis un peu l'assistant, voilà. Parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir leurs cadeaux, ils arrivent, ils arrivent à les acheter, mais ils n'arrivent pas à se les offrir. Hein. On va commencer par qui? Alors Miss Nuts, t'as ramené des cadeaux. Ça c'est pour Mickey. Alors Miss Nuts, elle offre ça à Mickey, vous voyez. Parce que la main, on attend le 24, il vient manger chez moi. Alors c'est une fausse, mais elle est très belle, il y a écrit ça. Mais d'abord les deux, parce que c'est mieux de finir par la fausse. Celle-là par le bonus. Mais ils aiment pas les faux, les abonnés, faut pas le dire. Bon bah c'est peut-être une. Allez regardez, Miss Nuts, elle a offert quoi? Oh. Oh punaise. Attention, il flotte. Miss Nuts, hein, t'en achètes des choses. Ah oui. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est du Star Wars, ça rendrait jaloux des Max Rebo Collection. Ah oui, tu seras jaloux. Et regarde la tranche. Mais c'est magnifique la tranche. Mais c'est trop beau la tranche. C'est beau ça. Ah j'ai mangé du pain au fromage, c'était beau. Bravo. Et un cadeau. Mais regarde. Mais regarde. Il regarde, hein. Ah oui. Qu'est-ce que ça peut bien mettre? Après toi. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Je dirais une cravate. Ah, c'est bien scotché, hein. C'est une cravate. Ah, mais il y en a qui savent pas ouvrir avec des gants, mais il y en a qui savent pas ouvrir avec des doigts. Oh, elle est beau. Je sais pas si elle est vraie, c'est à toi de voir. C'est pas grave, elle est beau. Je l'ouvre ou pas? Bah oui, vas-y, hein. Vu que t'es parti pour. C'est trop mignon. Ah oui, vous mettez cette petite chose là. Oh, je suis jaloux. T'es jaloux, hein? Ouais, je veux aussi. Oh, trop mignon. On peut mettre des bus. Waouh. Alors, vous n'avez pas fait de beaux cadeaux bonus? Oh, les cadeaux bonus. Oui, cette année, très beau. Je te fais un bisou si tu veux. Bah, viens. Il y a la main qui regarde. Et moi? C'est mignon, Puff. Pas de disons. Eh, mais c'est magnifique. Hein. Ah oui, deux. Il y a un petit truc aussi. Ah, il y a aussi, il y a un mini. Regardez. Oh, c'est mon cadeau. Pascal, en plus. Bah oui, je sais. Oh là là, bah je vais mettre. En forme de bonbon, c'est pas gentil. Il y aura un bon bêtisier si c'est cassé. Oh non. Là, on commence par celui-là. C'est moi qui choisis l'arbre. Yes. On commence par ça, oui. Ça. Ça. Le gros petit. Ça casse ou pas? Oh, si bah lâche. Ça casse. Et... Ça, je crois pas que j'ai cassé. Oh, j'ai tout. Qu'est-ce que c'est? Ah, je sais. Oh. C'est l'intégrale planète des singes. Ah, c'est vieux, j'ai jamais vu. En Blu-ray. J'aime ça, les vieux scripts, attention. Ah oui. Si, c'est ce que j'ai cassé, je pense. Ah, c'est ce qui est le cadeau cassé. Oh. Ah, c'est vrai, je l'ai pas cassé. C'est drôle. Bah, à peu près les mêmes idées. Il est cassé? C'est pas grave. Non, je vais te le payer. Non, c'est pas grave. Ah non, je me sens mal. Alors, il a glissé des mains. C'est pas grave.
C'est Action. Ah, c'est horrible. Hé, hey, c'est Action. Ah, c'est horrible, je te le recolle, Miss Nuts. J'allais à l'atelier de le recoller. C'est pas grave, c'est un cadeau Action. Mais il est pas cassé. Si, le bras. C'est vrai. Allez, hé, hey, bêtisier. Oh non. Ah oui. C'est... Ah non. C'est pas grave, on t'en prendra un. J'ai de la colle. Oui. Ça sera comme ça, si c'est recollé. Non. C'est pas grave. Je vais aller le recoller en direct, hein, vous voyez, hein, c'est horrible. Ça a juste glissé de mes mains. Ça a juste tombé là. Hein, ça... Hey, c'est pas grave. Par contre, le petit, tu le casses pas, s'il te plaît, il coûte plus cher. C'est ça, je dois tout ouvrir. Après, je suis fatiguée. Il a les larmes aux yeux. On dit ses offrir en privé. Ah, c'est vous qui avez insisté. Hein. Moi, j'ai... C'est pas grave. C'est vous qui avez insisté. C'est pas grave. Oui. Attention, ça, tu le casses pas, hein, s'il te plaît. Ça continue. Ça continue. Ça continue. J'en avais eu un à mon anniversaire de virus. Il y a du scotch. Oh, merci. Bah oui, vas-y, là. Oh là. Super Saiyan Sangoku. Ouais, c'est prendre. Attention pour la boîte. C'est beau, hein. Merci, Mickey. Ne vous inquiétez pas, les abonnés, je vais recoller le cadeau de Miss Neuf. Mickey, vous allez faire vos cadeaux à Monsieur Lama Joyeux. Oui. Tiens, on va commencer par ce petit. Ça, c'est un petit cadeau, ça. Oh, ah non, attention, hein. Il va casser. Il va casser. Avec une petite Lily. Ouais, t'as utilisé des belles illustrations. Ah oui, hein. Ah bah, il va bien voir. C'est petit, ça, c'est petit cadeau. Oh non, c'est une blague. Comme ça, quand t'invites l'âme joyeuse, et bah tu lui donnes cette tasse pour qu'elle boit. Oh, ça, c'est beau. Oh là là là, allez. Ça, on sent que c'est encore la taille standard des cadeaux. On a eu de la pop, hein. On a bien réussi, monsieur pop. Hein. C'est notre seul Funko. Regarde, c'est top. Attention, t'abîmes la boîte. C'est Thor du film Thor Ragnarok. Je vous la montre. Avec sa petite barbe et ses cheveux courts. Ah oui, j'adore. Il est beau, hein. Ouais, il est beau. Très joli. Allez, fais de la bise. C'est bon la bise, c'est pas fini là, putain. Non, elle est très calme. On va faire 100 bises. Allez. Bon, allez, je coupe. Hein. Là, tu veux pas mes cadeaux? 99 bises. Oh, je m'étais endormi. Alors, oh là là. Ça, c'est quoi tout ça? Ça, c'est la maille joyeux, t'offres ça, Mickey. Oh là là. C'est hyper grand. Ah oui, ça là. Oh. Ah, c'est lourd. Ça casse. Ça casse ou ça casse pas? Ça casse! Alors, attends, c'est casse! Il faut pas lui donner, il va les casser! Bah oui. Ah, qu'est-ce que. Mais c'est un sac à main! Oh! Un sac à main! Waouh! Oh là là, il te va, c'est ton sac à main! Oh, ça te va trop bien! Regarde, il a des. Oh là là, il est un peu la bataille! Waouh! Oh là! Elle est magnifique. C'est du Chanel, du Mickey Chanel. Oh, oui. Regarde, il y a des du Mickey. Il y a du Mickey en relief et tout là. Waouh. Ah, c'est trop beau. Ah bah dis donc, c'est formidable. C'est formidable, Mickey, ce que tu as reçu comme cadeau là. Tu peux mettre d'autres cadeaux dedans là. Oh là là. Il est trop beau. Oh, j'étais gâtée, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est mignon, ce marin. C'est ton cadeau préféré, Mickey? Oh, je dis pas ça, moi. Oh, c'est lourd, ça casse. Ça casse, facilement. Ouvre. Qu'est-ce que c'est? Je sais ce que c'est. Wow. Ah oui, ça casse en plus. Je vais lâcher. Ah, c'est ça que vous regardez. Bah oui. Oh, waouh. Eh, je veux pas dire, mais c'est un peu mégalo, hein. Bah, quoi? C'est complètement mégalo, Mickey. Bah, quoi? Hein. Regarde, il y a du Mickey partout avec toi. Bah, quoi? Oh. Écoute, t'as pas autre chose dans ta vie? Je suis sex confidente, ok? Et Mini, tu veux pas des jouets Mini? Mini, on t'achète des trucs Mini, toi? Oui, regarde. Tu fais quoi, Coco? Mickey. Qu'est-ce que c'est que ce faux Mickey encore? Bah merci d'avoir regardé, au revoir. Salut. Bah merci pour tous vos cadeaux, vous étiez bien gentils. Oui, moi aussi j'étais bien gâtée.
Merci. Hein? Mais là-bas, il vient pas avec nous. Là-bas. Lama joyeux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non. Non, mais non. Coucou. Aïe, aïe, ma graisse. Mais je t'en ferai cadeau pour quand tu m'agresses. Ouvre. Ouvre ce cadeau. Ouvre-le. 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 Qu'est-ce que ça va être? Ma casse-cosse. Ouais. Ma casse-cosse. Oh, un vêtement. Pour être classe pour Noël. Oh. Ma Mickey, vous avez le compas dans l'œil, hein. C'est pour le mincir. Sa t-shirt. Merci d'avoir regardé. Salut les nettis.